Bonjour, bonsoir les amis, les ennemis, les amis, tout le monde, bonsoir. Où que vous soyez, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons du lourd ce soir, du très très lourd, très très lourd. Mamma mia. Mamma mia. Les amis, partagez la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Appelez tout le monde. Je dis bien tout le monde. Je dis bien tout le monde. Appelez tout le monde. Nous allons parler, parler et parler. S'il vous plaît, partagez cette vidéo d'une importance capitale. La vérité, rien que la vérité est toute la vérité. Oh, ma Guinée. La Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Partagez la vidéo au maximum. Au maximum. Je dis bien au maximum. Voilà. Là, je suis bien comme ça. Partagez la vidéo au maximum. Au maximum. Je vais bien m'installer parce que je vais framponner ce soir. Je vais casser ce soir. Mais gravement casser. Sidi Souleymane Ndiaye. Sidi Souleymane Ndiaye. Oh, la malédiction s'est abattue sur toi. Je ne vous dis, je ne vais même pas vous voir ici. La malédiction du ciel, c'est toute la malédiction du ciel s'est abattue sur toi. On en sait beaucoup plus, mes amis. Alors, partagez au maximum cette vidéo. Au maximum, hein? Ce monsieur qui s'appelle Sidi Souleymane Ndiaye, le pseudo-procureur de la République ou du tribunal de Oula de Dixine, c'est ça? Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye. La main gauche d'Alpha Condé. Le bras droit du système condéiste. Le coudéisme d'Alpha Condé. Oh là là, c'est pas possible. Je ne peux pas imaginer, les frères, mesdames et messieurs, je ne peux pas imaginer. Vous voyez maintenant combien de fois, j'ai la vidéo, j'ai l'audio ici, vous allez écouter tout à l'heure. Vous voyez maintenant combien de fois on vous a dit la vérité. Vous voyez maintenant combien de fois la République de Guinée était devenue une république bananière. Une république satanique. Et pensez-vous qu'on pouvait se développer dans ça, dans l'anarchie totale? Mesdames et messieurs, j'ai écouté l'audio de Sidi Souleymane Ndiaye, ce pseudo-procureur. J'ai écouté l'audio. J'ai eu l'impression d'avoir 100 tonnes dans mon dos. 100 tonnes. Le poids de 100 tonnes dans mon dos. Vous allez écouter tout à l'heure. C'est pas possible. C'est inimaginable. C'est inimaginable que ces gens-là. Non, 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 non. C'est déplorable. Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye. Sidi Souleymane Ndiaye.
Ah oui. Non. Non, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, Son Excellence. Vous méritez. On doit vous applaudir. Partagez partout. Je veux un maximum de personnes en ligne. Toute la Guinée doit applaudir Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye. C'est triste. Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez regarder vos propres enfants les yeux dans les yeux? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Vous avez préféré le profit à la dignité. Vous avez préféré votre poste à la dignité. Vous avez préféré l'argent à la dignité. Bon sang de Dieu. Aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. Vous êtes aujourd'hui rattrapé par le tribunal de l'histoire. Aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et là, aujourd'hui, vous êtes devant le tribunal de l'histoire. Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, j'ai l'audio ici, vous allez écouter. Ce Satan personnifié, ce diable personnifié. Je pense que ce monsieur-là, même Satan, Iblis a peur de lui. Iblis a peur de Sidi Souleymane Ndiaye. Je me demande si ce monsieur a des enfants. Je me demande s'il a une famille. Je me demande qu'est-ce qui a poussé ce monsieur à exécuter des choses pareilles. Je me demande si ce monsieur-là. C'est pas possible. Les enfants du RPG Arc-en-Ciel, les supporters d'Alpha Condé, les adeptes du condéisme et du changement dans la continuité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant aujourd'hui? Vous nous avez traités de menteurs, vous nous avez traités d'ennemis d'État. Les vrais ennemis d'État, on est en train de faire la découverte des vrais ennemis d'État, les vrais monstres d'État. Les vrais ennemis de la République de Guinée, on est en train de faire leur connaissance davantage. Dieu ne dort pas. Allah, il ne dort pas. Je suis musulman, je crois fermement à Allah. Allah, il ne dort pas. Il ne somnole même pas à plus forte raison dormir. La somnolence ne peut pas saisir, ne peut pas se saisir d'Allah. Parce que c'est lui qui a créé la somnolence. C'est lui qui a créé l'obscurité. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle dormir. Il ne peut pas dormir. S'il dort, c'est fini pour l'humanité. C'est fini pour l'univers entier. Mesdames et messieurs, on atteint 1000 personnes en ligne. Je vous fais écouter l'audio de Sidi Souleymane Ndiaye. L'audio de Sidi Souleymane Ndiaye. Ouais. Non, ce monsieur, hein, monsieur Sidi Souleymane, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Bravo, tu es fort. Tu es fort, champion. Ah. Non, tu es fort. Ouf, tu es un 10. Non, chapeau. Chapeau, monsieur Sidi Souleymane Ndiaye. Madre mia, c'est pas possible. Ce sont ces gens qu'on appelle l'élite guinéenne. Vous allez écouter tout à l'heure l'audio. Ce que ce monsieur a raconté, ce que ce monsieur a fait. 1000 personnes, je mets l'audio. Allez partager au maximum. Mettez des cœurs. Likez la vidéo et partagez. Mesdames et messieurs. Sidi Souleymane Ndiaye, au sujet de Fonike Mengue. Sidi Souleymane Ndiaye, au sujet de Fonike Mengue. Dans le bureau de qui? Du président. De quoi? La justice. C'est pas possible.
Non, je ne peux pas imaginer que ces gens-là. Non, c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. J'ai écouté, j'ai dit non, c'est pas possible. Non. Voilà, nous sommes à 1019. Écoutez très bien, soyez attentifs. Je ne vais pas arrêter la vidéo. C'est une vidéo de 11 minutes 25 secondes. Vous allez écouter attentivement et puis j'y vais commenter largement cela. Écoutez très bien et partagez au maximum la vidéo. Taguez-moi tous ceux qui sont proches de Sidi Souleymane Diaye. Et taguez-moi le colonel, son excellence, Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît, taguez-moi tous ces gens-là pour qu'ils écoutent ça. S'il vous plaît. Je sais qu'ils ont déjà eu la vidéo, mais moi, je vais commenter largement. Allez, écoutez très bien ce qui s'est passé. Ensemble à l'audience. Je vais vous parler franchement. Moi, sur quelqu'un direct, j'ai reçu des instructions. Je le fais souvent avec tous les juges. Et quand je reçois des instructions, je viens leur dire. Souffrez que je vous en parle comme ça, c'est mieux. Et ça va être plus facile à gérer pour vous. On m'a dit, faites en sorte qu'il reste jusqu'après les élections. C'est tout. Je vous dis dans ce dossier, ce que vous avez dit à la prison, je suis d'accord avec vous. Quand je vais vous parler franchement, on n'a jamais géré un dossier. C'est la première fois. Et c'est mon habitude. Quand je reçois des instructions, je viens vers le juge. Je dis, aidez-nous, ce que j'ai dit à la présente. Je dis, moi, je n'ai pas encore travaillé avec Charles. Je dis, Charles a de la considération pour moi, c'est réciproque. Je dis, mais ouvrez-moi la voie pour aller vers Charles pour nous parler de ça. Il dit, bon, je vais gérer pour toi. Et quand il est revenu de chez Irène, elle m'a appelé. Elle dit, vous pouvez appeler Charles. J'ai appelé, ça ne passait pas. Entre-temps, je suis venu au parquet, vous êtes venu, je l'ai appelé. Je dis, Charles est venu, il dit, va voir Charles. Vous avez parlé de requalification, tout ça. Mais je vous parle. Ce dossier, quand on l'a différé, il n'y avait rien là-dedans. Je fais jouer mon expérience, je vous parle franchement. Et parce que je vous fais confiance aussi. Ouais. Je sais que vous n'en parlerez pas. Non, non, pas du tout. On est des magistrats, moi, vous me connaissez. Il n'y avait rien dans ce dossier. Ça, j'ai déjà vu ça. Deux ou trois feuilles. Ouais. Enquête préliminaire, rien. Ouais. J'ai fait jouer mon expérience. Quelque chose m'a dit, il y a une infraction qu'on appelle divulgation de fausses informations. Ouais. Je dis les propos qu'il a tenus à la radio, comme il ne peut pas apporter la preuve de ses propos, je le poursuis pour. Ouais. On appelle ça infraction de repli. Ouais. Les infractions de repli, c'est quand le parquet est embarrassé. Mais, et qu'on a dit au parquet, il faut poursuivre coûte que coûte. J'ai appelé Fabou, j'ai crié sur Fabou. Je dis, il n'y a rien dans ce dossier. Mais c'était mon expérience, je devais classer ce dossier. Je vous dis, monsieur le président, classez ce dossier. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous souhaite un jour de venir au parquet. Si je suis à la retraite, vous prendrez le téléphone, vous allez m'appeler. Vous allez dire, monsieur le procureur, vous avez raison. Le parquet, c'est une autre vie du magistrat, une autre vie professionnelle. Donc, je. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me demande la source de l'audio. Mais vous qui posez cette question-là, vous pensez que je suis bête? Moi, je vais dire le nom de la personne et la source de l'audio. Moi, je vais dire ça. Que ce monsieur engage des criminels à aller égorger la personne en Guinée? Mais réfléchissez une seconde. Écoutez l'audio, s'il vous plaît. C'est ça. J'ai compris. Au moment où on instruisait ce dossier, on m'a envoyé des documents qu'on a tirés sur la page Facebook. Oui, j'ai vu ça. Mais ils ne savaient pas. Monsieur le juge, je vous parle de tout ça, je vous fais confiance. Non, oui, monsieur le procureur. Quand on m'a envoyé ça, j'ai bondi sur l'occasion. Vous comprenez? Je l'ai poursuivi pour menace.
Donc ça m'a fait deux procédures. Oui, oui. J'ai compris ce qui s'est passé. Vous êtes allé dans le centre de la jonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présidente, j'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul reproche que je fais à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. J'ai dit, chacun a sa pédagogie à l'audience. J'ai dit, sinon Charles a une bonne police d'audience et il a une bonne présence. J'ai dit, c'est important pour un président. J'ai dit, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse tomber et que je n'interviendrai jamais. Parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais de petites sorties sans autorisation du président. J'ai dit, mais président, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. J'ai dit, je ne veux pas d'incident avec quiconque, en particulier avec lui. J'ai dit, parce qu'il me tenait moi beaucoup d'attention. J'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son auto. Les gens qui parlent de volume, le volume est à fond, mais l'enregistrement, c'est lui qui a fait, la personne qui a enregistré Sidi Souleymane Ndiaye ne pouvait pas mettre le volume à fond. Donc le volume est à fond ici chez moi. Donc s'il vous plaît, faites un effort pour écouter. J'ai dit à la présidente le même jour qu'on a siégé que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit. Voilà. Non. Je dis quiconque vous dit le contraire, c'est faux. Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris. Maintenant, je vais vous dire. Vous avez vu comment j'exploitais de petits propos là pour c'est ma cuina colombe, mes présidents. C'est ce que je suis venu vous dire. Mais le qualification de la président, mon Mali est aussi vrai. Mon Mali, il dit, c'est le plus grand mobilisateur du FNDC. Il dit, a vu le compte pour l'immane élection. Non, nous t'en préférons non du vrai. A vu le compte pour l'immane. Hier, on était en visite à la maison centrale pour s'enquérir des conditions de détention. C'est le ministre qui m'avait dit d'organiser ça. J'organise ça. On est allé de 14h à 21h30. Quand on a appelé Fonke Mangi. Fonke Mangi Mouenyu à l'audience. Fonke Mangi Mouenyu Fala pour le ministre de Mouya. Mouya Tobalana, quelles sont vos conditions de détention ici? Alors, monsieur le ministre, moi, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Ministre, non, mais c'est pas ce que je veux. Alors, moi, je vous dis. Non, moi, FB Guinée, moi, je vous dis. Je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Moi, ma place, c'est pas la prison. Et tout le matin, on est... C'est à Moldoumbouya pour nous. Moldoumbouya tout, moi, tout le monde. Abdou Gagnibadi, Sendera, Fonke Mangela. Fonke Mangela était dans ses petits souliers. Anaïs, Anna, s'il vous plaît, ici, c'est pas une tribune, c'est pas une permanence. Anna, gardez vos slogans là pour ça. Anna, moi, je vous demandais simplement quelles sont vos conditions de détention. Anna, on est venu pour ça. Et pour savoir si vos dossiers avancent. Donc, c'est pour venir. Fonke Mangi, Moulou Moussou Samara, Anna, activisme. Kamini, à Biro. Na, activisme, c'est beaucoup, Koundourou Béga. C'est beaucoup, Sanoubé. Donc, Non. C'est difficile à dire, mais il dossier, Koufoumoué, Benakine. Moi, je vais demander 2 ans. Alors qu'il ira Koulon, au bout de la longueur d'onde. Non. Et puis, pour préserver ton image, ton avocat a ouï que là, il ira. Il ira indépendance. Moi, je ne suis pas les gens dans leur propos. Voilà. Donc, même il ira à il est en prison depuis avril. Mais, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fera 8 mois. L'Ima, élection, octobre. Élection de Barra, président installé maintenant quelques jours après. Alima, président, on a une requalification de l'homme. On va être motivé sur ton lit, Italia tatou maintenant. On va être motivé sur ton lit par rapport aux infractions. D'accord. Bon, d'abord, moi, je vous remercie. Que Dieu nous protège. Amen. Vous savez ce qu'on se dit là? Ouais. Moi, depuis, j'ai commencé à travailler. Je travaille avec beaucoup de procureurs. Mais c'est une première. Ouais.
Je me retrouve face à un procureur comme ça, mon bureau, pour pouvoir échanger autour d'une procédure. Ouais. Merci, merci. Quand moi j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. Ouais. Et je me suis dit, on a la réserve et on a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, ouais, à travers la presse et autres, puisse nous taxer de partial dans un dossier. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, même problème de scellé là, de manger là, ils ont voulu qu'on écarte le débat. J'ai compris. Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu, puisque c'est un élément vraiment qui pourra vraiment être apprécié. Donc, bref, madame m'a vu, elle a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'à après les élections. J'ai dit à madame, il nous faudrait approcher le procureur, parce que je sais que quelque part, il a pu quand même colmacher la brèche. Ouais. J'ai déjà vu. Ouais. J'ai dit, mais je voudrais échanger avec lui. Parce que c'est vrai que madame, vous l'appelez, vous venez me transmettre la parole du procureur. Mais c'est nous qui montons à l'audience. Tout à fait, tout à fait. Donc, je voudrais aussi connaître sa position. Si il est en mesure de soutenir l'accusation, je dis tant mieux. Je dis, sinon, dans le cas échéant, il me serait très difficile, monsieur. Vous comprenez? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur. C'est Dieu qui est grand. De ce que vous êtes investi aujourd'hui de la confiance du patron. Et que votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. Merci. Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis, il voit le contraire. Quelque part, je sais que, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... Non, je comprends. Honnêtement, ça je vous comprends. Nous allons, Inch'Allah, voir l'évolution des débats. Et je suis rassuré de par votre compétence. Merci. Que vous développerez. S'il vous plaît. Oui, ça je n'ai pas de doute. Parce que partout où je passe, je témoigne quand même de quelque chose de vous. C'est que vous êtes quelqu'un, qu'on vous aime ou non. Merci. En tout cas, personne ne doute de vos qualités. Merci, merci président. Donc j'ai compris. D'accord. Et que, Inch'Allah, on verra. Merci, président. Des débats, ce que ça va donner. Merci, président. Que Dieu te protège. Ah, merci, monsieur le président. Merci. Portez-vous bien. Merci, Daniel. Merci bien. Merci. Vous avez écouté, mesdames et messieurs. C'est la voix exacte de monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, le procureur d'Alpha Condé. Là, on parle du dossier de Fonike Menge. Et pour vous faire un résumé, sachez tout simplement qu'à travers ces propos et cette conversation, eux-mêmes, ils confirment que Fonike Menge, sa force de mobilisation dépasse celle de Koundounou et tous les éléments du FNDC. Et que le dossier, il était vide, il n'y avait rien dedans, il n'y avait rien dans le dossier de Fonike Menge. Il n'y avait pas raison qu'on arrête Fonike Menge et qu'on l'emprisonne. Mais Sidi Souleymane déclare que si on n'arrête pas Fonike Menge, il risque de donner des problèmes du fil à retordre à M. Alpha Condé. Alors qu'il faut l'emprisonner avant les élections et le garder en prison après les élections. Mesdames et messieurs, vous comprenez mieux le problème aujourd'hui. Ça, c'est la voix de celui qu'on appelle le procureur, Sidi Souleymane Ndiaye. Alors, Fonike Menge a été maintenu en prison pendant combien de mois? Ceux qui sont là à dire, oh, la sauce de l'audio, mais vous êtes, il y a la boue à la place de votre cerveau. La boue est là. Vous ne comprenez rien et vous n'allez jamais comprendre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous ai dit que ce que vous voulez entendre, vous n'allez jamais entendre cela sur cette page. Ici, c'est ma télévision. Je suis le directeur général, ici.
C'est moi qui ordonne, c'est moi qui parle. Et je décide d'arrêter quand j'arrête. C'est pas quelqu'un qui me commande ici. Alors, vous n'allez jamais entendre ici ce que vous voulez. Allez-y, là où on vous fait plaisir. Mais ici, c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Aujourd'hui, on sait dorénavant que Foniki Menge a été injustement emprisonné et maintenu en prison injustement, tout simplement parce qu'il a une force de mobilisation très très grande qui effraie Alpha Condé, qui a toujours effrayé Alpha Condé. Ceux qui disaient « Ah, le FNDC est mort, ah non, c'est comme ça, c'est fini », vous avez entendu votre propre procureur. Et lui-même, il l'affirme dans l'audio, il dit « Monsieur le Président, il n'y avait absolument rien, mais absolument rien dans ce dossier. » Il dit « N'eût été mon expérience, son expérience machiavélique, son expérience satanique, son expérience de démon, n'eût été son expérience là, Foniki Menge ne serait pas arrêté et emprisonné. » Il dit « J'ai crié sur Fabou. » Tout simplement. Ça, je comprends mieux. Vous savez, je me dis quelque part que si ce monsieur Fabou parle en Guinée, je crois que c'est des murs qui vont tomber. Que ce soit Fabou ou Bafoui, ces deux personnes-là, ces policiers-là, s'ils parlent en Guinée, je vous jure sur l'honneur, c'est les murs. C'est pas même des hommes, hein, mais c'est des murs qui vont tomber en République de Guinée. Ça, c'est le dossier concernant Foniki Menge. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Disons, qu'est-ce qui s'est... Si ce dossier concerne Foniki Menge, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse arrêter les Ousmane Gawal et si tous les proches collaborateurs de Sidou Dalé Diallo? Vous comprenez mieux maintenant? Parce que les Ousmane Gawal, eux, ils avaient un dossier plus lourd que le dossier de Foniki Menge. Et j'en suis sûr, j'en suis sûr et certain que c'est ce même monsieur Ndiaye, Sidi Souleymane Ndiaye, qui montait les dossiers contre les proches collaborateurs de Sidou Dalé Diallo. On a dit que ce sont des fabricants d'armes. On a dit qu'ils détiennent des usines de fabrication d'armes. On a formé, c'est-à-dire on a monté tout dossier contre ces gens-là. Aujourd'hui, si on pousse Sidi Souleymane Ndiaye et tous ceux qui ont arrêté les proches collaborateurs de Sélou à démontrer par A plus B que oui, c'est ici on a vu les usines de fabrication d'armes, c'est ici on a vu ça, c'est tous ceux qui appartiennent aux proches collaborateurs de l'UFDG, je pense que ces gens-là, on va les arrêter, on va les emprisonner. Parce que tout simplement, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de concret. On les a tout simplement arrêtés parce que ces gens-là, ils effrayaient Alpha Condé. C'est le résumé. Alors, M. Sidi Souleymane Ndiaye, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que vous n'allez pas nier ça. J'en suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à dire « Ah non, écoutez, c'est quelqu'un qui a imité la voix de Sidi Souleymane Ndiaye, c'est faux, c'est un audio monté de toutes pièces, c'est faux, ben, on ne va pas écouter. » Mais écoutez, Sidi Souleymane, consciencieusement, il sait que c'est lui qui a dit. Il sait très bien, il ne va pas le nier. La seule question qu'il se pose aujourd'hui, qui m'a enregistré? J'ai été enregistré par qui? C'est la seule question. Hein. Oui. Qui m'a enregistré? Comment ils ont fait pour m'enregistrer? Et qui a balancé cet audio un peu partout jusqu'à ce que la population est entrée en possession de l'audio? Qui? Ben c'est vrai. C'est la malédiction. Le péché. Tous les péchés n'attendent pas l'au-delà. Tous les péchés n'attendent pas le jour du dernier jugement. Il y a des péchés qu'on paie ici. L'humiliation totale. Vous avez écouté le vieux hier en parlant de Mohamed Diané. Et je sais pertinemment que Roger Bamba a été tué dans une situation pareille. Et avec tout ça,
Vous pensez que la Guinée pouvait aller de l'avant au temps d'Alpha Condé? Avec tout ça, vous pensez qu'on pouvait voir le progrès? C'est impossible. Dans l'injustice, dans le mensonge, dans le kidnapping, dans les fraudes, un pays ne peut pas avancer. Quoi que vous fassiez, ça ne peut pas aller de l'avant. En tant que vous faites de l'injustice dans un pays, vous qui êtes censé établir l'ordre et la loi dans un pays, en tant que vous faites de l'injustice, je vous jure sur l'honneur, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas. On comprend mieux pourquoi on n'a pas écouté, on n'a pas vérifié les preuves de l'UFDG, les preuves de Sylou Dalein Diallo, hein, le permettant de dire haut et fort qu'il a gagné les élections. On comprend mieux. On comprend mieux, il ne pouvait pas. Ouais. Des gars comme Sidi Souleymane Diaye ne peuvent pas rester à la tête d'un État pour qu'on voie la vérité. Et sans la vérité, vous savez, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est comme quelqu'un qui ment à une femme, marie cette femme et continue de mentir. Vous pensez que ce couple-là a de l'avenir? Jamais. N'espérez rien, n'espérez pas le bonheur ni la paix dans ce genre de couple. Ça ne peut pas avancer. Vous emprisonnez injustement les enfants d'autrui. Tout simplement parce qu'ils sont contre un troisième mandat. Et vous-même, vous déclarez qu'il n'y avait rien, le dossier était blanc comme la neige. Vous dites que c'est grâce à votre expérience qu'on a pu arrêter Fonike Menge. Et que vous-même, vous avez dit que si on n'arrêtait pas Fonike Menge, ben, il risquait de faire mal à Alpha Condé. Tout simplement parce que vous vouliez vous faire plaire. Parce que vous vouliez avoir comment dire, le pouvoir aux yeux d'Alpha Condé. Vous vouliez être quelqu'un aux yeux d'Alpha Condé. Voilà ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à la République de Guinée? Quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous allez dire que c'est fou? C'est lui qui vous a enregistré. Si la personne dit que c'est vrai, vous pouvez dire que c'est faux. Parce que l'enregistrement a été fait dans un bureau. Bien évidemment. Et la personne vous dit, faites-moi confiance. Vous parlez même en sousou. Mais ce n'est pas possible, monsieur Sidi Souleymane. Ce n'est pas possible. La Guinée ne peut pas évoluer avec ça. Et vous dites que vous avez reçu des instructions. Étant un homme de loi. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un juriste guinéen, un avocat, un éminent avocat guinéen. Il m'a dit, monsieur Kanté, en matière de droit pénal, monsieur Sidi Souleymane Diaye est calé. Il dit, s'il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier en matière de droit pénal. Il dit, ce gars-là est un intellectuel. Il dit, ce gars-là, il connaît son métier, il connaît ce qu'il fait, il sait exactement, il connaît le droit pénal, il connaît. Il dit, je ne vais pas vous mentir, moi je suis un avocat. Il dit, mais ce monsieur, je reconnais ses qualités. Mais qu'est-ce qu'il a sali? Il a justement préféré son poste, l'argent à la dignité. C'est pourquoi quand je vous dis qu'en Guinée, on ne manque pas d'intellectuels. On ne manque pas de cadres. Oui, mais ces cadres-là sont sales. Ce n'est pas des patriotes. C'est des gens qui regardent justement le profit. C'est des gens qui regardent justement l'argent. Et non la dignité, non le patriotisme. Ce monsieur, certainement, il se disait, ben, si je m'oppose aux instructions d'Alpha Condé, peut-être que je vais démissionner, je vais ailleurs. Mais est-ce que je gagne ici? Est-ce que je peux gagner ça ailleurs? Alors, il faut faire avec le système. Oui, c'est la phrase magique. Il faut faire avec le système. On est obligé de le faire. Mais ces gens-là ne pensaient pas que, je vous jure, vous prenez Sidi Souleymane, il y a 2 mois, vous le dites, Alpha Condé va pas terminer
C'est-à-dire cette année même, cette année 2021, il ne va pas terminer à la tête de la République de Guinée. Il va mettre sa main à couper. Il vous dira que non, vous êtes devenu fou. Ouais. Mmh. Mahatma Gandhi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ouais. Ce mystère, nous devons continuer à le vivre. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que vous avez déjà compris que Foneke Menga et toutes ces personnes qui ont été emprisonnées par Alpha Condé, c'était pour un but, les faire taire. Et il va même loin pour dire que si on laisse Foneke Menga sortir, qu'il va inquiéter Alpha Condé. Donc, sincèrement, Foneke Menga était influent. Oui, il était influent. Bien évidemment. Donc, on était conscient de la capacité de mobilisation de Foneke Menga que les autres membres du FNDC. C'est ça, c'est ce que Sidi Souleymane a dit. Il dit, sa force de mobilisation dépasse celle de Kunduno et tous les autres éléments du FNDC. Ouais, c'est pas moi. Non, je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est Sidi Souleymane qui l'a dit. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo au maximum. Nous allons entamer le deuxième sujet parce que monsieur son excellence le président de la République, président du CNRD, le commandant en chef des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya a déjà compris, il est déjà entré en possession de cet audio et il sait que c'est la vérité, c'est pas quelque chose qui a été inventé. Alors mesdames et messieurs, je vais toucher un sujet très important. Encore, parce que, vous savez, la Guinée est un pays comme ça. On ne s'aime pas en Guinée, on ne s'aime pas du tout, on veut détruire tout le monde. Voilà, on n'aime pas le bonheur de nos prochains. On va parler du sujet de le cas de Michel Lama. Michel Lama, qui est aujourd'hui touché par bon nombre de nos compatriotes guinéens. Michel Lama, dont le nom est devenu le cure-dent de la plupart des gens, d'accord? Donc on le traite même de fou, qu'il est devenu fou, il a eu une démence mentale, mentalement ça ne va plus. Vous connaissez Michel Lama, c'est ce monsieur, ce vaillant soldat de la République de Guinée, qui a participé à l'opération fatidique qui a accouché à l'arrestation d'Alpha Condé. Ce phénomène des forces vives, des forces spéciales du moins, qui ont arrêté Alpha Condé. Il est là, Michel Lama, vous le connaissez. C'est Michel Lama qui est là. Le phénomène, il est là. Il est là, Michel Lama, vous le connaissez. C'est ce monsieur qui a conduit Alpha Condé après avoir le délogé, qui était au volant de la voiture, avec son cure-dent magique à la bouche. Je vois des blogueurs du RPG Arc-en-Ciel s'attaquer fermement à ce vaillant militaire de la République de Guinée. Ce patriote incontesté. On l'attaque, on dit qu'il est devenu fou. Michel Lama, je sais que tu m'écoutes quelque part, frangin. Je sais que tu écoutes ce que je dis tous les jours. Je sais que tu me suis. Champion, tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit en République de Guinée. Il faut même te débarrasser de ces réseaux sociaux Facebook à te justifier. Tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit, frangin. Tu as une valeur beaucoup plus grande que tout ça. Je suis fâché contre toi, tout simplement parce que tu donnes raison à ces mythos qui te traitent de fou. Arrête, champion, s'il te plaît. Arrête. Je t'en prie. S'il te plaît, j'ai les deux mains au dos. Je t'en prie, s'il te plaît, Michel Lama. Arrête, ne te justifie pas, tu n'as pas besoin. Laisse les gens parler.
Tu sais, champion, tu es un homme. Tu es un dur à cuire. Tu as accompli quelque chose que... C'est-à-dire, les hommes comme toi, pour accomplir une telle mission, on les compte du bout du doigt. Il faut comprendre cela. Des hommes comme toi, dans l'armée guinéenne, je dis même, pas même les civils qui sont en train de te critiquer, les hommes comme toi, dans l'armée guinéenne, pour participer à une opération, c'est-à-dire d'une telle envergure, on les compte du bout du doigt. Tu es un homme, un patriote, un nationaliste. Tu n'as pas à te justifier. Tu as accompli un miracle avec tes éléments, avec tes collègues. Vous savez, vous qui traitez Michel Lama de fou, vous savez, vous ignorez quelque chose. C'est-à-dire, vous n'avez même pas la moitié de l'énergie de Michel Lama. C'est ce que vous devez comprendre. Après, vous me direz que non, c'est un soldat. Oh, mais être soldat, ce n'est pas donné à tout le monde. Comprenez cela. Être militaire. Vous savez, il y a militaire et puis il y a militaire. Être un véritable militaire. Quelqu'un qui est prêt à se suicider, à se sacrifier pour que son pays aille de l'avant, ce n'est pas donné à tous les militaires. On connaît des militaires, quand on leur dit d'aller au front, il y en a qui vont verser de l'eau chaude sur leurs pieds pour dire que je suis malade. Bien évidemment. Il y en a qui sont prêts à couper leurs bras pour ne pas aller pour ne pas aller au front. On connaît ces militaires. L'armée guinéenne est remplie de ce type de militaires. À plus forte raison, aller déloger un dictateur, participer à cette opération patriotique, aller débarrasser de la nation d'un monstre. Champion, écoutez, tu n'as pas besoin de te justifier. Michel Lama, tu n'as pas besoin. Tu es un homme fort. Vous savez, ce jour-là, il y a des éléments qui sont tombés là. Il y a des éléments des forces spéciales qui sont tombés là. Les éléments qui gardaient Alpha Condé, il y a eu des dizaines qui sont tombés là. Champion, tu es resté debout. Oui, tu es resté debout. Aucune balle ne t'a touché. Tu n'as même pas été touché une seconde. Tu n'as même pas été blessé une fraction de seconde, champion. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas tiré, on ne t'a pas tiré dessus. Non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de tir. Bien évidemment qu'il y a eu des tirs. Mais tu es un homme, un 10. Il ne donne pas raison à ces mythos-là, à ces fêtards-là, à ces gens sans objectif. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Écoutez très bien. Que Michel Lama soit fou, qu'il devienne fou ou pas, qu'il devienne malade ou pas, ce n'est pas votre problème. Le peuple de Guinée, la partie saine de la nation, fait des bénédictions matin, midi, soir. Si Michel Lama est malade, qu'il y retrouve sa santé. Champion, on te souhaite prompt établissement. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi, Kanté. Je suis prêt à mobiliser des personnes pour venir à ton aide, pour venir à ton secours. Non, on ne peut pas te lâcher comme ça. Oui. On ne peut pas te laisser comme ça. Il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Et ce que je vais dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, ton bon petit Michel Lama, s'il a un problème, je sais que vous ne le laisserez pas comme ça. Je sais que vous savez, vous connaissez sa détermination. Vous le connaissez mieux que nous. Alors s'il y a un problème, ne l'abandonnez pas. Oui, ne l'abandonnez pas, champion. Bien sûr, ceux qui disent « Ah, Michel est devenu fou »,
Vous voyez la folie de Michel? Ceux qui sont tombés là ce jour-là, alors vous les qualifiez de comment alors? Ces gens-là, ils sont qui à vos yeux? On dit non, il a des gris-gris, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est des gens qui ne croient pas en Allah. Mais vous êtes bêtes. Et regardez les éléments des forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya. Je ne vois pas. Il n'y a pas un élément qui n'a pas les gris-gris. Il n'y a pas. Et plus largement même, je vais toucher l'armée guinéenne. Il n'y a pas un élément de l'armée guinéenne qui n'a pas les gris-gris. Il n'y a pas. Nous avons vu les gris-gris de Claude Pivi dans les temps. On se dit que Toumba Diakité, eh ben, c'est un très grand sorcier. Ah, c'est un très grand sorcier, c'est un très grand féticheur. Tout le monde est conscient de cela. Il n'y a pas un élément. Il n'y a pas un élément de l'armée guinéenne qui n'a pas de gris-gris. Il n'y en a pas. Bien sûr, tous ces éléments-là, ils vont chez les marabouts. Il y en a qui vont chez les féticheurs. Je laisse même l'armée guinéenne. Je vais toucher même l'élite, ceux que vous qualifiez comme ministres. Même les magistrats, les procureurs, les avocats, là, tous consultent des marabouts et des féticheurs. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, en 2007, M. Lansana Conté, paix à son âme, il a dit à Lansana, M. Lansana Conté, exactement, paix à son âme, à l'arrivée de M. Lansana Kouyaté, M. Lansana Conté, le premier conseil qu'il a donné à Lansana Kouyaté, il dit, Ntoroma, il faut te méfier de tous ces gens-là, ils ont des marabouts chez eux. Ouais, c'est le cas de Michel Lama que vous voyez? Non, nous sommes des Africains. On sait comment ça fonctionne en Guinée. Bien évidemment. On sait comment ça fonctionne en Guinée. Donc, champion, tu n'as pas à te justifier. S'il y a quoi que ça soit, ok, va te traiter. Si tu es malade, mais ça arrive à tout le monde. C'est une mission très grande que tu as accomplie. Bien évidemment. Si tu as des génies qui... je sais très bien que, voilà, si tu as des génies... qui sont peut-être fâchés, ou de toute façon, ils ne peuvent pas être fâchés. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord que tu participes à cette opération, ils t'auront informé, naturellement. Mais s'ils ont accepté que tu participes à cette opération, peut-être qu'il y a un autre problème. Alors, si tu as des problèmes de santé mentale, mais c'est naturel, tout le monde peut avoir des problèmes. Alpha est malade, il est condamné, il a le cancer de prostate. Pourquoi vous, les RPGistes, vous ne parlez pas de ça? Votre champion, la déception africaine, mais il a le cancer de prostate. Pourquoi vous ne parlez pas de ça en longueur de journée? C'est le cas de Michel Lama que vous allez attaquer? Non, arrêtez ça. Nous, nous sommes avec le champion. Nous sommes avec lui. Et s'il a des problèmes de santé, nous lui souhaitons prompt rétablissement, champion. Tu es un 10. Et ceux qui sont tombés ce jour-là, paix à leur âme. Et regardez tous les éléments des forces spéciales, tous ceux qui sont derrière le colonel Mamadi Doumbouya, ils ont tous des gris-gris. L'armée guinéenne, tout le monde a quelque chose, tout le monde. Ouais. Mais si les civils ne s'empêchent pas d'aller consulter des marabouts, aller consulter des féticheurs, ben, ce sont les militaires qui vont s'empêcher. Il y a des fétiches, il y a des militaires même qui sont féticheurs. Ils sont leurs propres féticheurs. Il y en a qui sont leurs propres marabouts. Ils travaillent. Ok, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur protection. Vous avez écouté le procès du garde-corps de Sékouba Konaté, n'est-ce pas? Il a dit qu'on a tiré sur lui. Mais le juge même, le président même de la cour, il a été étonné. Il dit, ben, on a tiré sur vous et vous êtes là. Il dit, oui. J'ai quelque chose. Si ce n'est pas les gros calibres, tout ça, les Kalachnikov, les PMAK, ben ça ne rentre pas. Il dit, j'ai quelque chose. Alors, vous êtes étonné que Michel Lama ait quelque chose sur lui, qu'il ait des gris-gris, vous êtes étonné. Vous n'avez plus d'arguments. Vous n'avez plus de sujets. Il y a tellement de sujets en République de Guinée que vous n'avez pas raison de, vous n'avez pas raison de parler de Michel Lama, parce qu'il n'est pas comme vous. Vous n'êtes pas dans la même gamme. Arrêtez. Vous êtes simplement des haineux, des aigris. C'est ça. Vous voulez le salir, simplement ça. Champion, s'il y a quoi que ça soit,
je suis là. OK? Et je suis écouté par des milliers de compatriotes, des milliers de Guinéens. Quand je dis des Guinéens, des vrais Guinéens. S'il y a quoi que ce soit, consulte-moi. Je suis prêt, OK, à me mettre à ta disposition jusqu'à ce que tu retrouves ta santé si tu es malade. OK? Je suis prêt à mobiliser les véritables Guinéens afin que tu retrouves ta santé si tu es malade. Je dis bien si tu es malade. Quelque chose qui est normal. Eh oui. Hein? Donc, arrêtez ça, c'est un faux débat. Et je vais toucher maintenant, vous qui touchez Michel Lama. Vous savez, au temps de votre champion et déception de l'Afrique, la plupart des cadres guinéens, des jeunes cadres guinéens, étaient devenus des jaunes. Tous ceux qui voulaient se remplir de l'argent entraient dans le RPG arc-en-ciel. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis le coup contre Alpha Condé, le coup d'ordre, le coup de paix contre Alpha Condé, ces jeunes-là, on les entend moins. Ils sont où? Tous ces jeunes cadres, des jeunes comme nous, hein, vous les connaissez. Ils étaient là, nombreux, à accompagner Alpha Condé. Ils disaient, il faut le laisser continuer son travail. Tous ces jeunes-là, ils sont où aujourd'hui? Eh bien, ils sont devant le QG du CNRD. Il y en a qui passent même la nuit là-bas. Justement pour aller rencontrer le colonel Doumbouya. Allez le dire quoi? Mon colonel, il ne faut pas écouter ces jeunes-là, c'est des démagogues. Et ce sont les mêmes jeunes qui disent aux gens qu'il faut remanier la classe politique. Des voyous comme ça, là, qui disent aux gens qu'il faut remanier la classe politique. Des jeunes inconscients comme ça. Oui. Vous étiez là devant Alpha Condé, derrière Alpha Condé. Vous étiez là dans les ministères. Vous chantiez, vous faisiez l'éloge de ces ministrions d'Alpha Condé pour justement avoir de l'argent. Vous êtes où aujourd'hui? Vous avez même été incapable de vous mobiliser en République de Guinée et de vous opposer à Doumbouya. C'est pour vous dire qu'en réalité, mais vous êtes des malhonnêtes. Parce que depuis l'avènement de Doumbouya, on n'a vu aucun jeune cadre jaune du RPG arc-en-ciel mobiliser des gens, dire au moins, faites une déclaration massive pour dire, ben, écoutez, il faut que Doumbouya ramène Alpha Condé. Ben, vous avez fait des déclarations individuelles. Hein? Mais Alpha Condé, de là où il est aujourd'hui, il sait qu'en réalité, ben, vous n'êtes que des démagogues, des hypocrites. Ben, c'est le mot. Tellement de jeunes. Il y en a même qui changeaient de camp. De l'UFDG au RPG arc-en-ciel. Je ne vais pas citer les noms ici. Hein? On avait même nommé le gouvernement la soupe. Bien évidemment. Il fallait changer de camp, de l'UFDG au RPG arc-en-ciel, la mouvance, pour se faire un peu d'argent. Vous êtes où aujourd'hui? Arrêtez. Ça ne sert à rien. Il faut être digne. La dignité avant tout. La dignité avant tout. Le peuple de Guinée doit se battre pour être un peuple digne. Ah ouais. C'est la vérité. Quoi qu'on dise, ces gens-là, ça sera très difficile. Ça sera très difficile de les changer. Parce qu'ils sont habitués à ça. Ils n'ont de travail que ça. C'est des griots, c'est des chanteurs. Pourtant, ce sont des jeunes cadres. Ce sont des jeunes qui ont étudié. Ce sont des jeunes qui ont le savoir-faire. Oui, ce sont des jeunes, quand ils décident de travailler dans le bon sens, ils peuvent le faire. Mais ils se sont tellement laissés à la facilité que c'est devenu une seconde nature pour eux. Et ils ne peuvent plus changer. Ça sera très difficile pour que ces gens la changent. On ne peut pas les faire confiance. Pour dire non, on va leur donner une nouvelle chance. Donner une nouvelle chance à ces jeunes-là, ils feront pire que les vieux. Hein? Et c'est ce qui est dommage. Et je sais que le colonel, il est averti. Il connaît mieux ces jeunes que moi. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire, il était avec Alpha Condé. D'accord? Bien vrai qu'il a exécuté quelques ordres.
après qu'il ait compris que voilà, ça pouvait plus continuer. Donc, il connaît mieux ces gens-là, il connaît mieux ces jeunes-là, il connaît mieux ces ministrions d'Alpha Condé. Il les connaît très bien. Toutes ces vidéos, on les fait, toutes ces sensibilisations, on les fait pour ne pas qu'ils fassent des erreurs. D'accord? Pour qu'ils fassent les choses très bien, dans le bon sens. Pour qu'on se débarrasse de ces démagogues, de ces jeunes démagogues. Hein? Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi chaque fois quand on parle, on vous demande de partager largement la vidéo pour que quelque part l'un des proches du colonel ou l'un des éléments des forces spéciales puisse entrer en contact de nos vidéos et pour qu'ils comprennent ce qu'on veut et ce qu'on veut qu'ils fassent. Ok? C'est très important. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour m'aider et pour vous aider et pour aider le peuple de Guinée. Et en dernier mot, nous dirons tout simplement, si Michel Lama est malade quelque part, prompt rétablissement, champion, n'écoute pas les gens, t'as pas besoin de te justifier. Et s'il y a quoi que ça soit, faites-moi signe, je serai là. Je demande tout simplement à sa famille de garder son image. Ça sert à rien de mettre ses photos sur les réseaux sociaux pour dire nous faisons ça. Non, garder son image, c'est très important. L'image de Michel Lama avant tout. C'est un Guinéen, un bon Guinéen, un digne fils de la République de Guinée. Il mérite des honneurs, ça c'est clair et net. Et je pense que le colonel, le président de la République ne va pas l'oublier si quelque part il est malade. Je mets dans le conditionnel, si quelque part il est malade, il est mieux placé pour l'aider que nous. D'accord? C'est l'État qui est fort, il est au service de l'État. Donc s'il a quoi que ce soit, l'État doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de Michel Lama. Mais si nous pouvons aussi faire quelque chose pour lui, bien évidemment, cela ne va pas nous empêcher de l'aider, si quelque part il est malade. Donc sur ce, je vous dis bonsoir et à demain. Et combattons Sidi Souleymane et tous ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de la République de Guinée. Bye bye.